Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droïd Tech et c'est reparti pour une vidéo sur Star Wars. Et ouais, vous l'avez deviné, Star Wars, The Force Unleashed, Star Wars, le pouvoir de la Force, un jeu qui était sorti à l'époque, hein. Ça commençait à dater sur 2008 sur Wii et on sait très bien que la Switch reprend tout. Donc ils reprennent une pépite et hop, on la rebalance. Bon, on va se faire une petite intro ensemble, pas trop longue. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne et tout ça. Et merci pour vos commentaires, ça fait super plaisir. Et pour vos pouces bleus et tout ça et tout ça. Bon, ceux qui sont pas satisfaits, je peux comprendre. On va essayer d'améliorer les choses. Mais voilà, faut pas tout réussir du premier coup. Ensuite, donc j'ai eu un petit creux, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon PC, connexion internet et tout ça. Donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais du coup là, je reprends tranquillement. Donc pour revenir au truc, donc Star Wars, le pouvoir de la Force. Donc là, on va reprendre. On va voir un peu les options. Donc le jeu était sorti sur pas mal de consoles en 2008, Windows, macOS, PS2, PS3, Xbox, Wii, DS et PSP quoi. Ça commence à faire. Donc là on va faire dans affichage, ok, on n'a pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'on a un peu les menus saut 2000. Donc là on a les crédits, ok. Et on va faire commencer. Un petit point juste sur Star Wars, le pouvoir de la Force. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce jeu là, c'est qu'il était super bien sur Wii avec le motion gaming. Franchement, moi c'est ce que j'avais le plus adoré. Et ce qui m'avait permis aussi de poncer le jeu et d'aimer le jeu, quoi. Parce que le fait d'avoir le Nunchuck et la Wiimote en main et de jouer l'apprenti, bah, pas Jedi quoi, mais. Stratégie, commandant. J'ai moi-même une mission à remplir. Bon, et l'intro, déjà, elle est badass. Il n'y a rien à dire. On est sur du Star Wars. Par contre, de ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont pas trop travaillés entre la version Wii et Switch. Ça, c'est sûr.
Donc là, on incarne Dark Vador, et ce que j'aime bien, hein, franchement, c'est le fait de l'avoir en français avec les voix FR et tout ça. Par contre, on a remarqué hein, directement qu'on est sur les graphismes de 2008. Ça, il n'y a pas de problème, ça n'a pas été retravaillé. C'est très très polygone, et là, on va le voir après. Par contre, moi, ce que je me souviens sur. Enfin, la Wii, c'était pas non plus The Console au niveau des graphismes et tout ça. Par contre, ouais, il y avait du lourd. Hein. Donc là, au niveau des commandes, je crois qu'on n'a pas regardé ensemble, on va regarder un petit peu. Options, affichage, jeu. Non, c'était commande, voilà. Donc commande solo, nanana, vibration manette, bon, ça on peut laisser. Par contre, commande. D'accord. Bon, du coup, on voit pas les options, bon, on va voir. Peut-être qu'il va nous. On va se débrouiller par le même. Donc, déjà avec ZL, je sors le sabre. Ok. Et avec les autres boutons, pour l'instant, je fais rien. Avec le bouton de gauche, enfin le joystick de gauche plutôt, je peux diriger mon personnage. Et avec le joystick de 3, je peux aller sur la caméra. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a en haut, en bas. Donc ça, c'est pas mal. Franchement. Donc avec le bouton Y, c'est pour faire les attaques. Voilà. Tranquille. Ça, c'est pour la force. Avec le bouton X. Voilà. Ok. Et le saut avec le B. Bon, bah, comme ça, c'est nickel. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est... Ah ok, on voit la barre en haut là. Et je sais pas comment on les prend. Alors là. Je me rappelle plus. Non, ça on peut pas le faire. Ah voilà. Donc on le fait avec X. Donc t'appuies sur X en face de l'objet. Et voilà. Et tu le mets où tu veux. Voilà. Tranquille. Là t'as la barre en haut. Et donc, je reviens dessus, hein, mais le fait de jouer avec le même show qu'à la Wiimote à l'époque, à ce jeu-là, c'était vraiment, vraiment énorme. Putain, je l'ai tué, allez hop. Ah bah voilà, là, donc là, on a le petit didacticiel. Et on commence. Donc on voit vite les défauts autour. À l'époque, tu les voyais pas, tu joues en 480p. Là, par exemple, je suis sur la Switch, en 1080p sur un écran 4K, et on voit pas mal de défauts. Après, le jeu est disponible aux alentours de 20€ sur l'eShop. Il y a moyen de le choper moins cher, peut-être sur Eneba, un truc du genre à voir. Je vous mettrai un petit lien en description, que ce soit sur Amazon ou Eneba. Je vais voir ce que j'ai trouvé de moins cher. Et le jeu fait environ 3,4 Go installé sur ma micro SD. Et moi, sincèrement, ce jeu-là, je l'ai poncé et je l'ai kiffé, quoi. Je l'ai fait en une seule journée. Et mais une bonne journée. Et j'ai trop kiffé. Et le fait de savoir de l'avoir de nouveau sur Switch, bon voilà... Moi qui ai déjà joué en 2008, bon, et le mec qui connaît pas et qui veut se faire plaisir, bah déjà il a Star Wars The Force Unleashed, Star Wars le pouvoir de la force, plus le Lego Star Wars qui est vraiment énorme. Ouais, moi je dis franchement c'est tout bénef. Si t'aimes bien la franchise de Star Wars, évidemment. Bon là on va peut-être parler, on va essayer de... Hop. Ouais, on peut pas... Je savais qu'il y avait des trucs qu'on pouvait pas faire. Allez par là. Donc je sais pas si t'as tout lu, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on va être le Starkiller une fois qu'on aura... Bon là, je vais spoiler un peu. On va faire un combat avec Vador, on va perdre, et du coup Vador va nous prendre sous son aile. Voilà, c'est un peu le spin du jeu. Et on va unité Triton incarner l'apprenti de Dark Vador. Suivez-moi. Et du coup, on va faire toute l'histoire comme ça, où on va développer nos pouvoirs et tout ça. Alors, pour attaquer avec votre sabre laser, pour bloquer les attaques et mêler les éclairs. Okay. Voilà, hop. Bon, déjà, dès que t'es Vador, c'est bon. Hop, avec la force. Ah, il m'a bien charcuté, hein. D'accord. Ça c'est bon ça. Petit combat au sabre comme ça là. Même si c'est pas les gens que vous voulez affronter. Donc appuyez sur L et Y pour lancer votre sabre. Waouh, L et Y. Donc il est pas mal le petit dit. Attends, je vais essayer de lancer. Voilà. Donc tu vois à peu près la distance.
Donc là, hop. Donc même si je joue mal au début, voilà, c'est parce qu'en fait je suis en train en même temps de vous parler. On le renvoie, hop. Un seul coup, tranquille. Je vais peut-être vous le faire en vidéo en plusieurs épisodes, je sais pas encore, je vais voir. En fait, ce jeu-là, je peux pas le spoiler. Le petit... Ouais, ça on l'a vu tout à l'heure ensemble. En fait, on a... Allez, prends-toi ça. Hop, c'est fini. On se protège. Donc on se protège avec des ailes. Hein. Par contre, j'ai pas trop fusil. Enfin, je vais le faire partir avec. Ouais, là, on le voit en haut. C'est pas grave. Pour effectuer un étranglement de la force, appuyez sur A. Et là, je suis mort. C'est pas grave. On est là pour présenter le jeu. De toute façon, le jeu est pas trop punitif, donc ça va. Et là, avec la force, hop. Comme ça, t'es tranquille. Impec. Donc là il y a un truc mais je sais pas si on va pouvoir. Non je pense pas. C'est ce que je pensais mais je pensais qu'on pouvait. Mais on ne peut pas. Moi franchement, mon avis va pas être critique sur Jolette directement. Toi si tu connais pas le jeu, ouais tu vas être critique. Mais tu pars du fait que tu pars d'un jeu de 2008. Bon voilà. Et moi j'aime bien ce jeu là donc. Franchement j'ai vraiment vraiment kiffé. Hop. Voilà. Et là d'avoir le petit didacticiel dès le début, ça fait super plaisir. Bon par contre les ennemis sont pas... Ok. Super puissant dès le début, c'est dommage. Il y a quelque chose. Après, tu joues comme tu veux. Hein. Si t'aimes jouer... Je suis en train de me faire défoncer là. Fort. Donc là il y a rien par là. J'ai fait le tour mais je crois qu'il y a rien. Et là, le fait de jouer Dark Vador c'est enfin voilà. C'est énorme. Par là il y a rien. Donc je suis venu par là pour rien. C'est vraiment dommage. Oh, il y a un truc là-bas. Voilà. En fait, on peut pas courir avec Dark Vador, c'est pas possible. Hop, on va aller là. Ça, je sais pas ce que c'est. Holocron Jedi, les holocron débloque le dessin préparatoire pour vous. Ok. Là, je sais pas s'il y a du monde. LX pour repousser. Donc là, ça vous donne. Voilà. L'étendue des pouvoirs. Donc LY, tu lances ton sabre. LX. Voilà, tu repousses. Ce qui est super bien. Donc là, on va arriver. Ah, là, il y a un truc là. Au niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Franchement, ça va. Au niveau du gameplay, alors après, tout dépend de où tu te situes. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est pas monotone et tout, t'as plusieurs trucs. Et en plus, dans le jeu, il y a pas mal de choses à faire. Je vais éviter de trop spoiler parce que si tu connais pas le jeu, voilà. Il y a plein de choses à faire. Après, faut aimer Star Wars. Mais
suis en train de faire tamponner là. Hop, on va essayer de faire ça bien. Voilà, là je pense que je les ai tous eus. Ah c'est pas... Je pensais que c'était plus puissant que ça, tu vois. Au niveau de l'IA, ça va. Il y a mieux et il y a beaucoup pire. Et quand je dis beaucoup pire, il y a vraiment des trucs qui sont complètement pétés. Voilà, là ça va. Et c'est super, enfin... On va dire que tu pouvais y jouer déjà en mode émulateur et tout. Et là, le fait de l'avoir de nouveau sur Switch pour 20 balles, bon... Après, ce que tu as envie de mettre 20 balles dans un jeu de 2008 qui a pas été remaster, remake... On en revient toujours à la même chose, hein. Et le tot est mort. Par contre, je peux pas faire les deux en même temps. Je suis en train de me faire canarder là. Ah oui, bah oui. Le fait de reprendre le jeu comme ça sans y avoir joué depuis super longtemps. Une fois saisi, relâcher X et appuyer sur Y pour relancer. Bah ouais, empaler l'ennemi. Bah oui. Donc là, t'appuies sur X, et après t'appuies sur LY, et puis hop, tu lui envoies une bourrasque. On va essayer de le faire ensemble. Voilà. Ouais, je fais le tuto en même temps. T'as compris les bases, hein. Là j'essaie de te montrer vraiment le début. Et là tu vois, je les ai assez rapidement une fois que je suis dans le jeu. Une fois que t'as bien pris les commandes en main, y a pas de problème. Allez, hop. Ah, il fait trop plaisir, franchement il fait archi plaisir. Je ramène un peu plus de résistance. Ça. Pour un bel didacticiel. Par contre, c'est pas mal vie, hein. C'est vraiment dommage. En plus, ça sert à rien. Ah, c'est bon, c'est revenu. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Bon, là, tu vois bien. Hein. Tu vois vraiment bien que. Pas en 2020 ni 2022, même si on sait très bien qu'il y a des jeux sur Switch, c'est complètement pété et complètement moisi au niveau des graphismes et tout. Mais là, les designs sont d'époque et il faut garder le jeu d'époque. Et faut pas oublier que le jeu est à 20 balles. Mais ça aurait été sympa d'avoir un. C'est pas un remaster, mais ouais, le remake de jeu là, ça aurait été sympa. Même si c'est pas le plus gros jeu de la licence. Et donc si tu veux situer cet épisode-là, précisément ce jeu-là, en fait, t'es entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Voilà. Oui seigneur, ils nous opposent une forte résistance. Nous n'avons pas encore passé leur première ligne. Ça, je m'en charge. Voilà, y a pas de problème. Ils s'en chargent. Oh, le son derrière. Bon, vive la démonétisation, mais on s'en fout, hein. Le geek avant le fric. Oh, fais-le pour découvrir. Donc dans certaines zones, vous ne pouvez avancer que lorsque vous aurez vaincu un nombre d'ennemis requis. D'accord. Ah ouais, là je suis en train de péter tous les Ewoks. Ah bah j'ai pété un mec de mon côté aussi. Calmez-vous, hein.
Ça c'est fait. On va prendre un petit peu de vie par là. Ça, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de vie. Ah, c'est pas mal ça. Ah, pour continuer. Putain, c'est quoi qui me bombarde comme ça là? Oh, je meurs. Allez hop. Seigneur noir, quoi que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Va-t'en. Ton déguisement ne peut pas me tromper, Jedi. Accrochez-vous à quelque chose, vite. Et donc, pour l'époque, je reviens encore sur cette affaire-là. Et tu faisais tout, elle a... Ah, le Nunchak, elle a une autre. Et c'était vraiment énorme. Attends, je vais peut-être essayer de la voir comme ça. Tu ne peux pas l'emporter. Tu ignores donc tout de la puissance du côté obscur. De la force. Je crois que elle a pas compris hein, qui on était. Ouais, il est fort quand même. Allez, viens par là. Et ça donnait vraiment une immersion. Le fait de... Là, t'étais debout et tu jouais sur ta chaise, hein, c'était comme tu veux. Mais t'étais là avec ton Nunchuck qui t'a Wiimote. Et tu vois, c'était énorme. Ah, barre-toi, toi. Allez, je vais y arriver. Ah, j'aimerais bien le dégommer là, mais j'y arrive pas. Donc là, t'as les petits QTE qui font super plaisir. Voilà. Tu suis les QTE, t'es tranquille. Oh, il va me chatter lui. Alors, ton règne s'achève ici. Je vais tout détruire comme tous les autres Jedi. Là j'ai pété le QTE parce que je veux continuer un petit peu le jeu. Même si je meurs, c'est pas grave. J'ai pas fait assez vite. Y arriver. Vas-y, je le découpe en rondelles. On va y arriver. A, B. A. X. Mais non, je sais pas pourquoi, mais... toute ma life. Mon pouvoir décline. Ne me sous-estime pas, car tu paieras pour ce que tu nous as fait. Et voilà, je me suis concentré un peu. Beaucoup plus puissant est ici.
Où se cache ton maître ? Le côté obscur a obscurci ton esprit. Tu as tué mon maître il y a des années. Et tu vas connaître le même sort. Ah, un fils. Cours ! Seigneur Vador ? Viens avec moi. Il va en arriver d'autres. Le gamin, il a rien compris et tout, mais bon, c'est pas grave, il part comme avec Vador. Donc voilà, c'était l'intro de Star Wars The Force Unleashed, Star Wars Le Pouvoir de la Force sur Nintendo Switch. Et donc là, il y a quelques années qui sont passées, et maintenant, on est un peu plus grand. On a eu la force, et on va accomplir quelques missions. Et c'est vraiment à partir de là que tout prend son sens. Tu étais faible quand je t'ai trouvé, mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître ? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Vos espions ont localisé un Jedi ? Oui, Maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et rapporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Ne révèle pas ton existence à l'Empereur. Ne laisse aucun témoin. Tue tout le monde à bord. Les Impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez, mon maître. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, le jeu, je le trouve pas super beau, mais il est beau, quoi. Comme je vous l'ai dit, on a vu bien pire sur Switch, hein. Et là, là-bas, c'est un jeu... Wii, PS2, PS3, Xbox... Proxy ? Ah oui, votre nouveau pilote est enfin arrivé, maître. J'accède aux archives impériales. Capitaine Juno Eclipse, née sur Corulag. Elle reste le plus jeune élément jamais accepté à l'Académie impériale. Pilote de combat avec plus de 100 missions à son actif, elle a commandé des troupes lors de l'attaque de Kalos. Le Seigneur Vador l'a placée à la tête de son escadron Noir 5. Ensuite, elle a été affectée à une mission top secrète. Est-ce qu'il y a aussi un profil psychologique ? En fait, oui. Mais l'accès est interdit. Oh, maître, ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera impossible de la reprogrammer. Sais-tu ce qu'on te demande ? Oui, mes ordres sont clairs. Je dois m'occuper du vaisseau et vous conduire là où vos missions l'exigent. Vador t'a dit qu'il avait tué notre dernier pilote ? Non. Mais je suppose qu'il a donné à Vador une bonne raison de le faire. Ça n'arrivera plus. Espérons-le, j'en ai assez de former des pilotes. Qu'as-tu fait à mon vaisseau ? J'ai juste amélioré la batterie de senseur du Rock Shadow. Vous pourrez espionner tous les vaisseaux présents dans un système donné. Vous êtes bien l'un des espions de Vador. La seule information que tu as besoin de connaître, c'est notre destination. Nous devons nous rendre sur Nar Shadda. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Et donc, toute l'intrigue du jeu va être comme ça, en fait. On va accomplir plusieurs missions dans plusieurs... système, du coup donner des missions données par Dark Vador évidemment. Et il est super prenant en fait, plus tu vas commencer le jeu, plus tu vas avoir envie de le finir, et moi c'est ce qui m'avait super plus hypé à l'époque sur ce jeu, même s'il y avait le côté motion gaming, je reviens dessus sans vous saouler, hein, mais pour moi c'était vraiment énorme de pouvoir être avec son sabre. Pouvoir tuer son ennemi. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un général très respecté pendant la guerre des clones. Vous chassez les Jedi ? Je conduis les ennemis de Dark Vador devant la justice. Et toi aussi maintenant. Continue, Proxy.
Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas adaptés au combat. Au lieu de cela, il disposait de sa propre armée. Il n'y avait donc pas de clones avec lui quand l'Ordre 66 a été donné. Après l'Ordre 66, il a disparu. Et si l'on en croit les archives impériales, il ne serait plus en vie. Mais pourquoi s'exposer en attaquant l'Empire maintenant? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi? 7. Parfait. Nous mettons le cap sur Nar Shaddaa. Passage en vitesse lumière. Petit bémol aussi, c'est au niveau des voix. On entend que ça grésille un peu, mais bon, ça c'est l'époque. Et donc le jeu il est mouvementé comme ça tout le temps. Ça arrête pas, ça n'arrête pas. Le jeu il est d'une force mais inégalée quoi. Le chantier naval a subi de gros dommages. Rapproche-nous. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Placez des charges explosives au niveau 2, 5 et 12, comme c'était prévu. Oui, commandant. Général Kota, le voilà. Enfin, tu es sorti de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12. Tous les hommes en position. Oui, général. Après on connaît hein. Donc du coup nous on est l'élève de Dark Vador, on est Sith, puisque Vador est le maître des Sith, et donc on va faire tout le temps régulièrement la guerre aux Jedi. Trouve-nous un hangar accessible. Et voilà, donc là du coup on commence avec l'élève et ses pouvoirs qui vont se développer et tout ça. Et donc là, franchement, moi j'aime bien. Hop. Donc c'est les mêmes commandes que Vador. À quelques petites exceptions près. Là, il est moins rigide déjà. Tu vois, il va super loin et tout. Et donc, t'as les mêmes pouvoirs que Vador. Voilà. Mais il va beaucoup plus vite, là tu peux voir. Hein. C'est pour ça que j'ai continué le jeu. Et sinon t'as exactement les mêmes trucs. Hein. Tu peux lancer ton sabre, tu peux. Là tu peux faire ça. Voilà. Donc là il a des éclairs, c'est ce qu'on voit sur la jaquette. Vador il a pas ça, mais t'as compris. Et tu peux lancer ton sabre. Donc ça va te servir mais énormément. Et en plus, tu vas pouvoir faire ce que tu veux après avec. Voilà, t'as le pouvoir de la force. Non, il est pas cheaté le personnage, mais il est super badass. On va essayer de trouver un ennemi. Ah, regarde, hop. Voilà. Donc ça va beaucoup t'aider. Pour électrocuter, hop. Donc, évidemment, tu peux faire les mêmes trucs que Vador, mais c'est pas le but. Hein. Mais ouais. Donc là, t'appuies sur X. Pas appuyé assez sur X. Voilà, et tu relâches. C'est vraiment énorme. Et la fluidité du jeu et tout ça, franchement j'adore. Alors après oui c'est pas objectif à monter, c'est parce que je le kiffe le jeu. Dites-moi dans les commentaires justement, peut-être que j'en ai trop plein dans la gueule de ce jeu là, mais voilà, appuyez sur A pour maintenir le stick de gauche pour réaliser une charge en direction. Appuyez sur R. D'accord. Et si j'ai pas envie d'appuyer sur R. Avec son casse-toi. Ah oui, d'accord. Ça, je peux faire aussi. Hop. Comme ils peuvent faire 10 heures, ça permet de récupérer un petit peu. Donc, faut appuyer sur R. D'accord. Ok, là on va récupérer un peu de santé, c'est pas mal. Ah, puis le son derrière. Énorme. Voilà. Par contre, il n'y a pas de retracing. Hein. Ah,
Oh, il y a les six qui sont là. Ah, on peut faire un double saut. Ça, je sais pas si je l'ai montré. Non, voilà. Les bâtards. Appuyez sur L plus X pour repousser. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. Voilà. Ça, il est mort. Là, tu vois la fluidité du truc. Franchement, ça fait plaisir. Oui, c'est... Ouais. C'est d'un coup, hein. Et quand je te dis que le jeu c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça quoi. Tu n'arrêtes pas. Et je prends un plaisir monstre à y rejouer. Franchement quand j'ai vu le jeu, dommage que j'avais un problème de connexion et tout ça. Sinon je vous aurais fait le jeu peut-être sur Twitch et tout ça. D'ailleurs on a une chaîne Twitch et n'hésitez pas à venir vous abonner. Bon voilà quoi, si vous voulez, je vous force pas. J'espère commencer les lives dès que je vais pouvoir. Hop là je les ai tous tués. Et en plus c'est bien parce que du coup tu vois les ennemis qui sont tués ou pas. Ils sont transparents ou pas. Là, je sais pas sur quoi ils se... Continue. J'ai vu X tout à l'heure mais je sais pas. Non. Ça devait pas être par là. Ah si là. Je savais bien que j'avais vu quelque chose. Ok, nickel. Hop. Et le jeu, il est extrêmement, extrêmement fluide. Tu vois, tu y arrives sans problème, quoi. Il y a rien de bien compliqué. J'aimerais bien tuer celui qui est en train de me niquer depuis tout à l'heure là. Il est où? Je le vois pas. Là. Passer par là. Ah, les effets du sabre. C'est quand même tuer rien. C'est pas grave. D'ailleurs. Donc on l'a vu par là. Non, on va pas retourner par là, mais je suis allé là-bas. Et après on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà un bon épisode. Voilà. Hop, on se concentre. Et le fait d'avoir des petits QTE comme ça, c'est super. Ça casse un petit peu le rythme, mais ça t'en fait pas deux. Enfin, de prendre ton pied pour jouer. Surtout ça, quoi. Même pas où il faut aller. Ah, d'accord. Un peu de mal quand même, hein. Un petit peu de mal, mais ça va se faire. Ça c'est pas fait par. Bon.
Ça c'est quand t'es fainéant que tu veux pas jouer. Là, il y a quelque chose à faire certainement. Hop, on continue. Vous avez trouvé un cristal de couleur pour votre sabre laser. Vous pouvez l'utiliser pour modifier la couleur de votre sabre laser. Non, je veux pas le modifier. Ça m'intéresse pas. Arrête ou je tire ! Donc là. Hop. T'as compris le délire, hein. Quand tu maîtrises tout, après t'es tranquille. Tu maîtrises aussi ce jeu plus cher. Je sais pas ce que je prends là depuis tout à l'heure, mais je prends. Ah oui, d'accord. Il est mort. Il est mort. Et j'ai pas de problème niveau maniabilité. Hein. Oh, il y a un R2D2 là. Oh, ça bombarde partout là. Ah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lui c'est devenu un Sith. Pourquoi vous allez me tuer ? Donc il va chasser les Jedi. Ah, d'accord, pitié, arrêtez. Alors parle. Maître, Kota, la salle de contrôle. Bon voilà, on va se laisser là. Donc je vous ai présenté Star Wars, le pouvoir de la force sur Nintendo Switch. Le jeu est à environ 19,99€ sur l'eShop et il fait environ 3Go installé sur ma micro SD. Classe HP 16 au niveau des langues anglais, allemand, français, espagnol et tout ça. Donc tu connais. Moi personnellement, hein, bah, vous avez vu, hein, je kiffe à mort ce jeu. Je pense que je vais encore le refinir encore une fois évidemment. Du coup encore dans une seule phrase. Mais je kiffe vraiment 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 ce jeu. Voilà, et j'avais pris énormément de plaisir à y jouer à l'époque. Super fluide, maniabilité, il n'y a rien à dire. Le gameplay, on va pas revenir dessus, c'est un jeu de 2008, on n'est pas en 2022, enfin voilà quoi, mais pour l'époque, c'était énorme. Et je redis aussi, si t'avais joué à l'époque sur Wii, et ben là en fait t'étais debout, devant dans ta chambre, ou devant ton canapé, dans ta salle, machin truc, et c'était toi le Sith quoi, contre les Jedi, et c'était énorme. Ta Wiimote, c'était c'était ton sabre, tout simplement, voilà, et c'était énorme. Alors c'était un peu dur, la maniabilité c'était pas toujours ça et tout, mais franchement c'était kiffant pour du motion gaming, c'était archi bien. Là d'y jouer à la manette, bon c'est différent, c'est pas une mauvaise expérience, c'est complètement différent. Et ça s'est joué tranquillement et ça tourne magnifiquement sur Switch, donc voilà, pour 20 balles, on peut se faire plaisir. Donc c'était mon test pour la Gata TV de Star Wars Le Pouvoir de la Force, ou Star Wars The Force Unleashed, et je vous dis à la prochaine, salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.